Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Activité l'appli avec l'Orayo après à poursuivre sous l'appli pas département pays d'Haïti. Justement, l'appli cap tombé yo, la cause plusieurs moun blessé, la yon gros pied bois tombé sous yon kaitol, a krasé yon mi Claude la nuit à mardi 16 pour entrer mercredi 17 d'août 2022 à Canapé Vert. Yon l'année depuis gros tremblement de terre samedi 14 d'août 2021, plus passé 250 000 timoun dans département Grandas ak Nip, pas joindre bon gens l'école pour yon apprendre comme ça doit, d'après branche Fondation Zini pour timoun, yon plus connaît sous nom UNICEF. Anche 17 pour arriver dimanche 17 juillet 2022, gang exam fait 4 déjà qu'à s'arrêter sous 50 femmes actifies. Détail au tap troqué connu dans Cité Soleil d'après témoignage Réseau National Cap Défendre Droit Mounio ramassé. Réseau National Cap Défendre Droit Mounio longe douette sous comportement manfou ben autorité de facto yo qui continue à rester bras croisés devant zak violence gang exam yo appelé des faits dans quartier pauvre yo. Mardi 16 d'août 2022, la police nationale arrêté dans ville Jacmel, département Sud-Est PIA, Thomas Mathieu et Laurie Albert, li suspect comme membre gang 400 Maozo, kap simé la trouble dans quoi des bouquets depuis plusieurs mois. Lundi 15 d'août 2022, la police nationale dit récupérer yon machine Nissan, bandi exam te volo quoi des bouquets mardi 9 d'août 2022 qui saute passé. C'est un honte pour autorité de facto yo qui montre yo se reste avec communauté internationale là qui ba yo délai rivé 17 octobre 2022 pour agir contre gang exam kap simé la terre sous territoire national là. C'est disons collectif 4 décembre 2013 qui dénonçait tout comportement autorité yo qui pas fait rien pour couper gang exam yo dans pays d'Haïti. Juge coup d'appel Port-au-Prince mandé avocat Fédération Barreau d'Haïti yo déposer pièce yo avant yo décider sous dossier maître avocat Robinson Pierre-Louis qui n'en prison depuis 22 juillet 2022 sous accusation l'itagien pourwè ak chargement zam ak katouche. La douane te saisi pour dépêt département Nord-Ouest vendredi 1er juillet 2022 qui saute passé ya. Demande la coup d'appel Port-au-Prince lan c'est ta yon menace pour l'état Kishita sous droit ak la loi d'après yo un avocat Fédération Barreau d'Haïti. Vendredi 19 d'août 2022, groupe politique protocole entente nationale a annoncé y a planté piquette devant caille officiel premier ministre de facto Dr Ariel Henry pour exiger le bail démission dans direction politique pays d'Haïti. Justement l'appli cap tombé yo la cause plusieurs moun blessé là yon gros pied bois tombé sous yon kaitol akrasé yon mi clouti la nuit mardi 16 pour entrer mercredi 17 d'août 2022 dans zone Canapé Vert. Yon l'année depuis gros tremblement de terre samedi 14 d'août 2021, plus passé 250 000 timoun dans le département Grandas ak Nip, par arrivé joindre bon gens l'école pour yon apprendre comme ça doit, d'après branche Fondation Zini pour timoun, yon plus connaît sous nom UNICEF. Dans yon communiqué limité de yon, mercredi 17 d'août 2022, UNICEF fait connaît sous yon quantité 1250 l'école qui est écrasée, au sinon si big gros dommage pas de tremblement de terre ça, majorité nan yon pour qu'on reconstruit. Anje 17 pour arriver dimanche 17 juillet 2022, gang exam fait 4 déjà qu'elle s'arrête sous 50 femmes actifies. Des temps, yo t'a pas troqué con yo dans Cité Soleil, d'après témoignage Réseau National Cap Défendre Droit Moun yo ramassé. D'après un rapport RNDDH mette de yo nan date 16 d'août 2022, majorité nan victime yo gagne l'âge soti 18 pour arriver 45 l'année. Des parmi yo, c'est timoun qui gagne moins passé 18 l'année. Yon lot bord, Réseau National Cap Défendre Droit Moun yo longe douette sous comportement manfou ben autorité de facto yo qui continue rete bras croisés devant zak violence gang exam yo appelé des faits nan quartier pauvre yo. Nan rapport 12 pages sa li mette de yo ma 16 d'août 2022 a, organisation Cap Défendre Droit Moun nan di li pense avec comportement sa, autorité yo montre à clair yo complice bourreau kap commettre mauvais actes sa yo nan quartier ki pi pauvre yo.
Mardi 16 août 2022, la police nationale arrêté dans ville Jacmel, département Sud-Est PIA, Thomas Mathieu et Laurie Albert, li suspect comme même gang 400 marozoyo, kap simen la troublaine dans quoi des bouquets depuis plusieurs mois. D'après information, la police l'a publié individu sa yo confirmé pour enquêter SDPJ yo, yo fait partie gang sa qui gen en tête li l'an mort sans jour. Pendant coup de filet ça, la police mette main tout sous Rosnika Emile, yon mine 17 l'année qui se concubine Laurie Albert. Lundi 15 août 2022, la police nationale pays d'Haïti dit li rive récupéré yon machine Nissan bandi aksam te volo kwa de bouke madi 9 août 2022 ki sot passé. D'après information PNH ta publié pendant dernier jour sa yo, malfra yo te kon utilise machine sa pou komet zak enlèvement. Nan sans sa institution la police la encourage tout moun ki gen machine yo bandi volo pou yo pote plainte. Organisation collectif 4 décembre 2013 fait connaître le fait que c'est Nations Unies qui vient demander pour violence gang yo suspend dans pays ya et puis bay yon délai 90 jours pour pini moun qui a pas collaboré ak bandi ak zam yo, c'est yon honte pour autorité en place yo, ça qui montre yo c'est reste avec communauté internationale là. Jean-Robert Argan qui c'est coordonnateur collectif 4 décembre dans yon interview li bay Alter Radio, profite critiquer Nations Unies, li dit qu'il pas réglé rien pour pays a malgré diverses missions l'ONU toujours présent sous tes pays d'Haïti. Nous invitons au coutel. On pense que c'est une tristesse pour nous dans ce stade, que ce soit des organisations internationales ou que ce soit des étrangers qui ont dit que nous, sur ce pays, nous, ça, on est pour nous faire. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous pas des pays. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous pas des nations. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous avons des hommes qui occupent les artères du pouvoir et qui ont en main tout ça qui est pour gagner et qui ne. Qui au fond semblent être des valets de l'étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chaudian n'a pas rien que nous sommes capables de décider de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas penser que c'est la société qui t'a rien ou bien quelque chose l'organisation internationale qui t'a là pour nous dire, mais ça me veut au fait. C'est quoi cette histoire-là? Est-ce que son pays n'a rien? Est-ce que son pays n'a rien? Qui ça nous vient là? Nous qui l'a eu? Qui ça fait? Jouer l'argent, jouer le privilège, vague sur la population. Mourir d'un goût, quand on mise à grimper de plus en plus. Maintenant qu'on voit un ultimatum, c'est comme si on voit comme si c'est un patron qui passe des ordres à ses valets. Est-ce que c'est possible que nous continuions comme ça? Est-ce qu'il y a des têtes qui ont parlé avec Mounio face à face, en rampant et non en tendant la main hein, pour recevoir une aumône qui ont jeté, comme disait l'autre, comme on jette un os au chien? Collectif 4 décembre 2013 a critiqué tout autorité yo nan pouvoir en place la, li di ki pa genyen aucun kè sensible pour citoyen haïtien yo kap soufri en bas grand goût ak insécurité, mais ki pito ap régler zafè clan yo, sa ki fait yo pa jam pran aucun mezi pour mette yon bout nan rey gang yo. Jean-Robert Argan prend comme exemple situation ki genyen nan zone Matisan côté bandi Axam acheté l'argent comptant depuis plus passé yon l'année, sa ki la cause produit agricole yo pa ka soti nan grand site de pays a pour entrer Port-au-Prince, yon situation qui la cause la vie chère a augmenté. En côté Jean-Robert Argan, yon l'autre fois. Nous voyons que c'est des gens qui a sauté au pouvoir, qui viennent bénéficier de pouvoir, qui viennent régler avec paio, qui viennent régler avec clan, yo, qui viennent régler avec clic, qui viennent régler avec famille, yo, mais qui n'a pas d'aucune idée de pays, qui n'a aucun sens de responsabilité vis-à-vis de ça qui n'a pas gagné, qui n'a aucun sens de responsabilité, qui c'est responsabilité de leur pour toute fonction, leur vue de lit, yo, qu'on est comme un devoir vis-à-vis des citoyens. C'est pas normal, ça n'a aucun sens, c'est insultant. Que ou bien une équipe qui a le pouvoir, qui a en principe 27 750 km², et que Kounia, il y a un petit bout de camp pour évoluer. Est-ce que c'est normal qu'on bloque 4 départements hein, pendant un an passé et ou bien un grenier, par exemple, on a parlé de la misère, de grand goût, grenier, Port-au-Prince, grandance, ok, produit qui a sorti dans la zone, il n'y a pas même qu'à passer là. Si pour passer là, il faut payer droit de passage, vous comprenez? Et qui vient faire problème impossible, et ceci explique aussi une des raisons de l'augmentation de coût de la yo. En plus, que coût un bon lot nèg, affairiste, qui profite de ça, qui peut être commandé, et qui vend toute bagaille, tête nèg qui se jette à j'envelé, parce qu'il n'y a aucun organe de contrôle responsable qui est le pays, qui est occupé, qui essaie de régler une situation ça. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'on déduise, hein, qu'on une équipe, il a un an et quelques vous allez dire, qui était que
et ils ont engorgé, ils ont fermé quatre départements de pays et surtout Jung qui c'est une grenier de pays nous. Maintenant remarquons l'autre bagaille. Problème là était cancer assez n'importe quoi ça dit surtout. Ah oui, haïtiens besoin vivre. Ça fait trop longtemps que la vie que vous animez, même pas que vous animez, plus mal parce que les animaux. Parce que les animaux, à une, qu'on était passé les chez l'autre là, au moins, bah, comme ça. On pas même bien ça qu'on y a là. Qui ça qui est capable de faire pour mettre un bout dans la situation chaotique ça a dans le pays? À la tête collectif à 4 décembre, Jean-Robert Argan, ouais, c'est toute population qui peut mettre ensemble pour lever campé, contre dirigeants qui a crasé institutions nationales et puis travaille ensemble pour mettre en place un pouvoir légitime dans la tête pays. Jean-Robert Argan t'est parlé comme ça dans le micro Alter Radio. Pour nous changer ça, il nous faut nous organiser. Que qu'on dit à démerder, que qu'on met Jean-Jacques pour que nous arrivions à établir un pouvoir légitime. Nous ne sommes pas capables de payer, cap gouverner par les monde, ou pas contre qui mandat, ou pas contre qui mandat a fini, ou pas contre qui s'en est pour faire, ou pas aucun recours, ou pas une institution fonctionner, que nous avons fait appel à lui, ou pas aucun recours, aucune structure, parce que tout est détruit, parce que, et ceci, ce n'est pas simplement ce monsieur Jean-Léla, monsieur Henri, ou bien monsieur Moïse, et des frères Moïse, mais depuis bien avant, au fait, depuis au moins 15 d'années, une douzaine d'années, c'est systématiquement que tous ceux qui ont gouverné notre pays depuis au moins 15 dernières années, au moins 5 dernières années, ont fait une seule chose. Et c'est le seul côté qui a assumé la continuité de l'État Jean-Léla, est là, c'est de la déstructuration de notre pays, c'est de l'élimination de nos institutions. Donc maintenant, aujourd'hui, côté que il y a des mondes qui se dé au fond, des irresponsables. Nous ne pouvons pas dire que ça représente la même population qu'il y a. Ce sont des gens qui ont assuré le pouvoir. On a vu bien des gens et monter sur leurs grands chevaux pour citer sur le gouvernement et pour un petit moment après, ou même sur leur toile là. Tout. Avec autant des gens changer de position, même ils ont changé de chemise. Donc ce n'est pas normal ça. C'était Jean-Robert Argan à la tête collectif 4 décembre 2013 qui est à répondre question à Alter Radio. Juge coup d'appel à Port-au-Prince mandé avocat fédération barreau d'Haïti yo déposé pièce yo avant yo décidé sous dossier mettre avocat Robinson Pierre lui qui est en prison depuis 22 juillet 2022 a sous accusation l'état gain pouwe ak chargement zam ak katouche. La douane te saisi pour dépêt département nord-ouest vendredi 1er juillet qui saute passé à. Jige coup d'appel à Port-au-Prince fait déclaration ça mardi 16 août 2022 à. Dans cadre yon audience en appel, avocat maître Robinson Pierre lui a été fait pour exiger libération. Demande la coup d'appel à Port-au-Prince lan, c'est à yon menace pour yon l'État qui chita sous droit ak la loi, d'après yon avocat Fédération Barreau d'Haïti yo qui t'a réagi sous décision juge coup d'appel yo. Nous invité au côté réaction maître Jacques Létan, nan micro Alter Radio. Je veux dire, nous constater que l'État des droits en Haïti il est menacé, il est gravement menacé parce que même au niveau de la coup d'appel de Port-au-Prince, les juges ne se sont pas donné la peine de respecter la constitution haïtienne 2187 qui impose de rendre toute décision en habeas corpus séance. Pas de délai, c'est sans délai. Mais il se trouve que la Cour d'appel, malgré la constitution en amélioration, sur une demande farfelue du ministère public qui m'a demandé de communiquer les pièces, il a fait droit à demander, il a dit qu'il faut qu'on dépose les pièces en un délai de 24 heures pour le ministère public à rendre réquisitoire écrit. Là. Or, non, question habeas corpus, pas de délai. Donc c'est sur le coup, sur le champ, la Cour d'appel a de rendre une décision. Là. Et qui vient de faire que je viens de dire là, qu'on est obligé, pour aller, comme nous ne pouvons pas gommer avec eux. Donc ils ont décidé de violer la Constitution. Hein. Même j'ai un droit à un tribunal pour mettre ça sans appel. Donc la Constitution a été faite pour qu'il y ait une décision sans appel. Il va faire. Donc on a fait un coup d'appel. On espérait que la Cour d'appel allait corriger cette dérive du droit indéterminable de première instance de Port-au-Prince, ne l'ayant pas fait. Donc on constate effectivement, comme je l'ai dit tantôt, que l'état des droits en Haïti est gravement menacé. Parce que je pensais qu'il y a un gros travail qu'il faut faire dans un pays. Hein, pour vraiment que l'autorité justice connaisse là pour appliquer la loi, rien d'autre que la loi. Parti fédéraliste, qui est membre du bloc démocratique, a voulu jeter appel secrétaire général de l'organisation État américain Luis Almagro concernant le retour soldat Casbleu dans le pays d'Haïti. Président parti fédéraliste là Jean-Verlin Rousseli Thomas a dénoncé implication communauté internationale là dans situation mal au pays a connait dernier temps ça yo pendant demander toute force vive nation pour mettre ensemble dans l'idée pour joindre une solution
solution dans crise sans pareil qui a souqué pays d'Haïti. Nous invitons au côté président parti fédéraliste là Jean Verlin Rosli Thomas qui t'est parlé dans micro collaborateur nous Saint-Louis Jean-Yves. Pays d'Haïti à genoux, l'État effondré, nation en déchiré. Haïtien perdit tout droit les gagner comme monde. Les pas qu'à circuler, les pas qu'à manger, les pas qu'à sécurité, les pas qu'à logement. Et ça qui est grave dans la situation peuple là, vivre là, les pas qu'à aucun représentant ni autorité dans la tête de l'État qui a volonté et capacité pour changer condition la ville. Tout bagay sa yo pa rive sans complicité communauté internationale là qui m'a ressaucisse li ak autorité locale yo pour qu'un pays a dans une situation la honte n'a pas fou pour ne fait pas. Semaine passée, monsieur Luis Almagro, secrétaire général OEA, déclaré échec communauté internationale là dans pays d'Haïti. Parti fédéraliste, membre fondateur Bloc démocratique. Saisi tendez, c'est même Luis Almagro ça qui a claironné projet communauté internationale ça que l'OEA retrouvé là-dedans pour y envoyer Casblé en Haïti une autre fois. Pour venir porter Ebola, après y finir dans nos choléra. Voler mes paysans, violer mesdames nous, Sima Ezam, fédérer gang et la trier. Parti fédéraliste opposé carré barré à des massacres. Je dis à police nationale l'a montré, si les joints moyens à Claude la travail pour mettre la peine à pays. Parallèlement, c'est jeudi à Luis Almagro à parler pour vos casse-blé qui quitte mauvais goût dans la bouche peuple haïtien dans le pays. Nous, la partie fédéraliste, nous pour solution haïtienne à ça qui la police là, avec embryon armé, besoin moyen à l'ordre pour résoudre le problème insécurité. Constat parti fédéraliste fait montrer ingérence internationale là, fait plus tort à pays que tout l'autre problème n'a fait face à eux là. C'est pour ça. Parti fédéraliste fait appel journée aujourd'hui à tout petit pays dans un gros chitatambé national pour trouver une solution nous tout haïtien attend là pour retirer pays dans Kachou Bombe que le retrouver aujourd'hui. Nous déjà écrit un paquet de partis à organisation politique dans un plan sauvetage national pour Haïti. Parti fédéraliste pas gagné une formule tout fait que n'a imposé aucun monde. Mais nous arrivons dans une situation côté personne pas qu'à dire que les innocents ou bien c'est l'autre qui est responsable. Puisque nous tout échoué, eh bien nous tous obligés de mettre tête ensemble pour nous joindre une solution. Et nous invitons la communauté internationale là, pas pour le vin jouer au latin, pas pour le vin passer nos l'ordre, pas pour le vin prendre un mouvement, mais pour le vin camper comme observateur, garder qui ça n'a fait comme on a fait pour nous retirer le pays dans ce qu'il y a là, je ne veux dire. Diverses organisations qui fait partie PEN et qui étaient signé à Comontana tant que forum organisation syndicale populaire esclaves révoltés PEN modifié force grandance sac bureau suivi à Comontana dans cadre d'une grande rencontre qui était gagné plusieurs dizaines de militants réunis dirigeants s'il a été campé officiellement journée mardi 16 d'août une organe off mobilisation objectif strictif tout neuf cela c'est activer toute qualité mouvement protestation dans tous 10 départements pays dans l'idée pour exiger une autre gouvernance sans un gouvernement provisoire qui gagne deux têtes qui pour mener transition coupée fâchée face à système pesé sous ça et puis exiger démission premier ministre Ariel Henry sous pouvoir. Nous invitons au côté dans ce sens ancien député Sergent Louis qui était parlé comme ça dans le micro, c'est Louis Jean-Yves. Qui souffrent de problèmes qui est là. On n'a pas vu qui a des pouvoirs pour les faire détenir. Ça va bien. Même si l'ailleurs va fonctionner, même si le peuple va sourire, ça va durer. Les premières, vous pouvez un secret dans le temps, tous deux en vidéo, mais tous les organisations qui sont mis dans Montana, qui sont en peine, mais qui d'accord pour eux-mêmes. Ce pays a fonctionné là, c'est pas normal. Faut jouer nos côtés, on y a bataille. Concertation faite, nous pouvons mieux réunion, successeur. Première réunion, nous d'accord. Nous allons pour les peines modifiées, l'autre qui va faire 7 août, nous allons faire une convocation dans le qui craquait d'une campée à côté. Nous devons faire des études. Nous devons faire des études. Nous devons faire des études. Nous devons faire des nouveau engagement devant le président Tao. Nous disons, la poursuite mobilisation. On va parler à l'autre monde. Mais aussi, mobilisation faite contre les gens planifiés. Mobilisation va ramener dans les autres.
de développer un calme. Et de là, on prend la compagnie de nous allons faire tout le monde là-bas. Depuis même jour à la fin, réunion 24 sur 24, de l'élection sacrifiée du président. Pour bloquer sur nous, c'est cette machine. Ça marche pendant 1 à 45 minutes pour nous les gens. Et c'est ça que nous sommes bien là. Donc, nous créons un calme national. Pour structurer mobilisation, pour mener mobilisation, pour organiser mobilisation, pour nous réunir, et ainsi toute forme de mobilisation à l'échelle nationale. Maintenant, on gagne ça pour nous dire, dans les confusions de tête, on peut dire que l'identité politique, grâce à lui. Ah, allez, nous allons mettre sur la négociation. On gagne ça, c'est un organe qui est très récent, à partir de consensus. Politique, et puis le contrat de consensus, dit nous allons faire mobilisation à Gaïe, et nous d'accord, nous créons un organe national de mobilisation. Organe national pour la mobilité. Nous d'accord, nous payons et nous présentons des fonctionnaires de la présence d'avoir. Nous approuvons, nous allons démissionner. Ma place de nous là, que ce soit dans le sud, proposition sud là, il y a une formule d'accord. Que ce soit dans le nord, vous passez par mobilisation dans le nord, je dis mobilisation 47 dépassant d'ailleurs en Haïti pour nous structurer. La Tironie, Sud-Est, Saint-Marc, Province, Grandance, nous payons. Organe partout, organe national, nous allons faire des portes avec nos pays. Et puis, nous allons faire un pays, nous allons faire un pays, devant l'Assemblée 7 programmes, je te dis, même si nous pouvons consulter notre bureau, nous allons faire un bateau, nous pouvons calendrier, nous pouvons avoir une vidéo, pour discuter avec nos pays. C'est voilà. Mon bagage pour nous faire, pour nous tester, ce soir, nous allons faire un récapitulatif devant les résultats officiels, premier ministre. Et puis, on va le faire venir à la rentrée de là. C'est ça, on dérive. Ah, mais les objectifs sont clairement définis. Et on fait une campagne. Pas le gouvernement, mais les objectifs là. On dit faire, au nom des majeurs nouvelles gouvernements. Kachita, c'est l'exécutif dit, c'est ça. À travers le consensus politique, tout le document est là. Pour prendre la note, et puis on dit que la corruption en Haïti, ou en Bélgica, de l'État, c'est pour la volée. On te dit très clair, comprends. Pour que ce soit même plus des réussites, parce que ce sont des nationaux qui doivent assumer leurs responsabilités. Prennent leurs responsabilités et baillent payer cette orientation. Ce n'est pas la communauté internationale. Ce ne sont pas les étrangers qui doivent nous dicter ça pour nous faire ou ça pour nous faire. Donc en ce sens, nous réfléchissons, nous disons, ça pour nous joindre et ceux qui existent par là. On a fait une solution pour les passer. Ici, Madame Laline, quand vous là, ça nous a dit un an. Confiez l'État. Pour moi, pas Livre André Joseph, qui c'est membre organe mobilisation, c'est là qui m'était campé à annoncer une méga sitine pour vendredi 19 d'août, qui venait là, devant cas officiel, Premier ministre de facto Ariel Henry, dans Misso, dans l'idée pour aller exiger un pouvoir exécutif avec deux têtes, et puis mettre bon genre gouvernance dans tête pays, coordonnateur forum organisation syndicale populaire, inviter tout citoyen conséquent pour venir participer. En côté Yves André Joseph dans le micro Saint-Louis Jean-Yves. Nous passons dans la machine, nous nous attendons à pile professionnels, chauffeurs, nous nous attendons à pile paysans, nous nous attendons à pile malheureux et malheureux qui vivent dans le pays, dans des conditions. Nous avons des gens qui disent que la paix, l'insécurité. Nous avons des niveaux dollars américains montés dans le pays, 1 dollar pour 150 euros. Les acteurs d'ingérence communautaire nationale à la CAIM. Les acteurs de gargot corruption en administration publique à travers un premier ministre de facto qui fait Ariel Henry. Les acteurs d'ensemble de dégâts qui ont passé dans la vie population, nous disons pas d'arrêter sans que nous ne nous pas mis quelques mois ensemble pour organiser un véritable mouvement de mobilisation. Mais pour nous faire, il faut que c'est principe, il faut que c'est discipline, il faut que c'est respect. Et c'est la cas de ça. Nous-mêmes qui croyons, dans le consensus à Commandana, peine, rien, nous dit aujourd'hui, il faut bras mobilisation, pied mobilisation, relever capé. Et c'est dans le cadre de ça, aujourd'hui, nous prenons le soin de faire un ensemble de rencontres, et à partir de rencontres, nous venons déboucher à 16 autres côtés, nous venons à venir pour nous organiser un grand événement, et nous devons partir de là, mobilisation. Nous faire appel à ou même si machine qui va marcher qu'à plein air, qui voit comment la vie arrête, ou même chauffeur qui va pas aussi l'assistance qui est dans une situation difficile, qui soit syndiqué ou pas syndiqué, je dis nous mandons. Levez campé ou même professionnel, il y a qui de la route, je dois raconter fort, ou même qui est obligé de quitter le pays en bateau,
poisson obligé, poisson le qui a un jour. Ou même le qui peut investir combien de dollars américains pour aller Bahamas, pour aller Brésil, pour aller Chili, Mexique. Je dis, c'est dans leur mer, il y a pas les taux, il y a un chien pour aller où la pays étranger. Eh bien, je dis, ça c'est ça qui est. Il y a de 20 000 haïtiens déjà, l'autre moins, que Dominique est fait méchanceté dans la culture sida. Mais la situation, une population, un pays qui fait histoire dans mon monde. Mais dans cette situation, la population est ouverte. Et c'est dans ce sens, nous croyons. Même gens qui des camarades qui ont commencé, nous campions. Mais nous-mêmes, nous étions accrochés avec les revendications de la population. Et c'est peut-être ça. Nous disons qu'on est juste à commander la grève. Et celle-là, il faut que nous mettons cette ensemble pour permettre que le plus vite possible, pour payer un joint, transition pour fâcher. Permettre que nous avons une nouvelle gouvernance. Et c'est dans ce sens-là, encourager le gouvernement bicéphale-là à partir de la Constitution 1947. Là. Et dans ce sens-là. Et peut-être ça, nous avons une négociation déjà. Quand on a été déjà, on a des négociations. Nous plaisons, nous-mêmes, je dis, ça pour faire, nous jouons transition coupée fâchée avec notre gouvernement bicéphale là, et bien c'est mobilisation, c'est peut-être ça, nous avons des populations. Pendant 19, devant résidence. Ariel Henry, PM de facto, n'a pas tout le monde ou même à dire l'autre monde qui te perd du espoir, l'autre monde qui te perd du confiance, l'autre monde qui te fait partager une mobilisation. Et bien je veux dire, nous-mêmes nous emballons au fond, nous allons réanimer la population et nous allons permettre que l'espoir population de l'aide de récupérer pour permettre que le plus vite que possible, nous avons un gouvernement qui est passé. Ensemble, organisation personnalité Akatis qui était lancé premier match rouge pour dimanche 14 d'août passé en cadre d'une conférence pour la presse. Mardi 16 août 2022, adressé bilan match si là, il était organisé qui côté au critiquer comportement la police qui peut afficher et un comportement professionnel pendant déroulement match si là. Mon organisateur mette issuité au fin dénoncer force l'audio qui t'est fait représailles et puis lancer gaz lacrymogène dans sous foule là qui à protester et pacifiquement sans pas de gain aucun dérapage à nous côté mettre et souhaiter au fin qui tape plus de détails dans le micro Saint-Louis Jean-Yves. Dans le cadre de lever campé ça, gagner une cible nous déviser. C'est tutelle là, c'est communauté internationale, SDP, unité et fusion et la trier, c'est eux-mêmes qui représentaient l'impérialisme pour être capable de casser toute force mobilisation dans le pays. Et c'est ça qui fait nous garder à clair comportement la police est affiché à l'égard des manifestants. Yo. Depuis devant l'ambassade de France, ils ont commencé à bombarder nous avec gaz lacrymogène, malgré une notification préalable qui était faite. Jean Constitution dit ça dans l'article 31. Eh bien, ça n'a pas empêché à la police pour exercer représailles à l'encontre des manifestants. Mais jour 14 d'août, là, jour ça a quitté une date très décisive dans la bataille pour la libération nationale, là, eh bien, ensemble des militants, organisations, ils ont campé en face de la police, ils ont dit, ils ont pas battu. Et nous avons senti esprit. Les ancêtres ont accompagné nous pour que nous relancions la bataille de libération. Et bien, c'est dans l'optique ça, nous avons fait résistance des champs de masse pour nous dériver Delma avec la police. Là, ils ont fini de bombarder manifestation en bagage, petit bébé pas épargné, femme enceinte pas épargné, grand monde, vieillard pas épargné, il y a un pile monde qui tombait, il y a un petit monde, un an et demi, qui suffoquait en bas, gaz lacrymogène, malgré les policiers, a gardé comment petit monde a suffoqué, ça va empêcher de continuer à lancer gaz lacrymogène à l'endroit des manifestants yo, et population civile. Là. Mais nous disons, dans la bataille pour la libération nationale, là, nous ne pas camper sous aucune forme parce que vous estimez la population consciente, la population délivre le temps pour la bataille la relancer, pour capoter le système. Là. Le monde qui est entré dans le complot contre le peuple, là, qui utilise le discours libération là, pour résoudre le problème personnel, là, nous disons désormais. Peuple a reprendre bataille libération hein? Et c'est ça que fait depuis aujourd'hui même depuis 14 août jusqu'à X nous circonscrivons nos batailles et déterminés jusqu'à ce que nous libérer pays et libération ça
la passe prend tout le monde qui c'est tout l'impérialiste, qui c'est tout le corps. Nous disons SDP fusion, unité, tout corps groupe, béni, nous avons un carton rouge. Nous disons qu'il n'y a pas représenté l'intérêt du peuple là. Sou bon pal, Ressin Dominique ki se reprezentan Moligaf nan mouvement si la anonsé pou lundi 22 daou kap vini la yon lot mach an rouge kote l'invité pe Ayisyen pou leve kampe nan lide pou fe yon kou les épaules pou chavire ekip an plas la epi profite denonse ingérans kor group nan zafè politik peyi d'Haïti. Deklarasyon Ressin Dominique, toujou nan mikro Saint-Louis Jean-Yves. De ta fèt galè pou toule nou, pou pa kamache se bè Non ben là, c'est bien, la quoi des bouquets. Non, ma dit ça, moun pa ka tire, moun pa ka vaquer l'activité yo, yo prisonnier yo. Et ben le peuple là, prend la rue pour faire frustration le passé, pour faire revendication le passé, nous reste la police qui vient craser nous avec gaz, nous passons nous pas soulever pendant nous déjà exister dans le quartier où nous pas vivre. Et bien, pour nous, la vie tout mourir, nous ne pouvons pas parler, nous voulons mettre mise dans la bouche, nous voulons mettre babouquette dans la bouche, nous. Et bien, nous, la police, là encore, la vie, le bandit, criminel sur leur forme, nous emprisonner la population pour ne pas vaquer, pour ne pas revendiquer, pour ne pas manifester. Et bien, nous comprenons clair, et bien, nous ne pouvons pas la continuer à pousser, la continuer à avancer, parce que la bataille qui était menée, 22-23 août 1791. Bataille qui t'a mené 14 d'août 1791 ans, c'était bataille pour le peuple là capable de liberté. C'était bataille pour tout le monde capable de vivre dans tout le monde, tout le monde. Même Jean, Papa Nation, c'est Jacques Dessalines qui dit, tout le monde c'est monde, pas de monde parce que monde. Mais dans ce sens, nous ne pouvons pas camper. Mobilisation à poursuivre jusqu'à 22, rendez-vous à casser encore. On a le coup de macadam, non. On a le bouquet à Ayolai comme de facto, comme Jules, comme reste avec, comme je vois, impérialiste pompier, impérialiste américain. Et nous comprenons, lui, à Malvo, qu'a fait tout complot contre les Haïtiens pour venir avec le force d'occupation étrangère qui sont là. Nous disons grand monde. Nous comprenons bien. Et si nous allons dans les dames, si nous allons dans la guerre, si nous allons dans les prisonniers, et bien nous-mêmes, si nous allons pour nous, eh bien, peuple là, quand les jeunes, parce que je ne j'en dis pas, nous devons camper là, à qui sécurité, à qui n'a pas de nous connaissons quoi vous, c'est minu, c'est même qui fait des gangs en deux pays, c'est même qui classe des pays, et bien, oh là, ce problème là, il n'y a pas de la solution. Daou 2021 dans cadre de violence entre groupe gang G9 en famille et alliés avec la JPEP qui était éclaté dans la cité sous. Selon le délégué départemental Niplan, situation malouk population a vive jeune jeudi an, tant kou, avocat, médecin, professeur, journaliste. Merci Vernio Toussaint, Radio Lumière. Merci Vernio Toussaint. Plus passé 300 monde perdu la vie, 22 l'autre blessé. Environ 52 femmes actifs et victimes viol collectif répété selon un dernier rapport réseau national Cap défendre droit monde RNDDH publié mardi 16 d'août 2021 dans cadre de violence entre groupe gang G9 en famille et alliés avec la JPEP qui était éclaté dans cité Soleil sorti 7 pour arriver 17 juillet passé RNDDH dans rapport c'est là condamné passivité dirigeant yo dans l'état qui pas fait en rien pour t'époter ses coups bay victime yo qui t'a souffri zak malhonnête toute qualité en bas mais bandit fait nan pis gros bidonville pays responsable organisme cap défendre droit monde RNDDH mandé autorité yo pour capable porter assistance médicale et psychologique bay toute victime viol yo pendant yo recommandé la justice avec la police pour possible tout coupable et puis bah opinion yo mérité pour Zakyo. Nous invitons au côté responsable programme RNDDH la Marie Ozi Auguste du Sénat. Pendant ma phase de la zone, il y a un peu d'exception sur cette population et de la massacre de gang de terre pour bien faire de la vie. Il y a un espace de 300 000 euros de salaire qui sont allés voler. Pour tout ici, le thème de monde blessé par gang ou bien à la maison. Pour tout ici, 52 femmes ont été victimes de viols politiques et les. Et le rapport par des réalisations sociales, c'est justement pour attirer l'attention sur la viol qui fait mettre le soleil pendant les nuits. Nous, il est allé avec cette vérité sur les enfants mineurs,
nos femmes qui âgées de 55 années, deux femmes qui âgées de 18 ou 25 années, 38 personnes qui âgées entre 26 et 49 années, et nous parlons avec 3 familles du Conseil national qui sont enceintes et familles au moment qui sont visiblement enceintes. Tout ça peut nous dire que pendant ma carrière, le fait qu'on femme, le fait qu'on est enceinte et que son âge, pas des années, qui est capable de protéger les femmes. Normalement, ma carrière en date de soleil. Donc, nous disons que les trucs que nous partageons avec nous, c'est des bagages terribles qui passent. Bandir, je vais vous dire que c'est une bonne que nous rencontrons en présence de tous ces trucs. Parmi tous les employeurs, il y a un qui est en bagage. Et au moins, il y a tout le monde, trois années, qui a créé un peu pendant 28 ans. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a un coup de couteau dans tout ça. Bien, deux nations vivantes, ils viennent en présence de conjoints, après ça, ils viennent assassiner les conjoints en présence des dames. Bien, il y a une nation vivante, ils viennent devant maman avec elle, et bien, je vous dis, six nations vivantes qui assistent à une exécution conjointe avant que les conjoints le jouent. Pas une agression, ils ne peuvent pas utiliser ces relations. Les victimes, ils ne peuvent pas les résultats de la plupart. Parce que, en fait, ils ont un peu de raison pour les amis. Ils n'ont pas de capacité de rentrer à cause de la compagnie. Ils ont gardé ce que c'est que c'est pendant plusieurs jours et qu'ils ont continué à tuer. Ils ont fait ce nombre de victimes de viol, partout sur le mouvement du sentiment de l'IA et de manière générale, pour que vous ayez plus de victimes de viol que vous avez enregistré à chaque fois que vous avez ma face et bien à chaque fois. Il est bien condamné encore une fois à faciliter l'autorité de l'État qui ferme un géo sur ma facture et sous exaction qui a commis pendant ma facture. Il n'a pas fait un lien pour les destins à ma facture, il n'a pas assisté victimes en pleine façon et au contraire, c'est bourreau et eux-mêmes qui continuent à bénéficier des bénédictions coalition politique que je n'ai à mon cette autant côté responsable programme dans RNDDH, Marie-Rosie Auguste du Sénat. La police nationale d'Haïti a arrêté Père Franz Kola, une responsable l'église épiscopale d'Haïti, hier mercredi 17 août 2022, dans 4 dossiers d'importation d'armes illégales à Caminition, dans la douane Port-au-Prince, jeudi 14 juillet 2022. Pour qu'on y ait, Père Franz Kola a placé un garde à vue dans le DCPJ après audition hier mercredi, dans 4 enquêtes qui a mené sous dossier si là. N'a pas appelé responsable l'église épiscopale, et pas trop répondre à invitation ça, à plusieurs invitations DCPJ t'y fait lui-même. Premier citoyen commune Belancelan qui c'est en même temps vice-président FINAM dans une interview de Radio Lumière dénoncé pouvoir central là dit qu'il pas mettre moyens matériels et économiques pour collectivité territoriale yo dit qu'il connaît un pile mauvais moment dans jou ça dénord en ténor dit c'est inégalité qui régner dans tout pays et surtout dans collectivité territoriale yo dit dans budget pays a pas de place pour collectivité territoriale. Il y a une situation, premier citoyen commune Belancelan, les dénoncer dans micro Radio Lumière. Dans ce sens, nous invitons à écouter Denoël Anténor. Nous utilisons l'État d'Haïti à travers la Constitution. Et nous te venons avec un modèle de gouvernance. L'État d'Haïti est un État unitaire, mais décentralisé. Depuis 87, publication Constitution, ça, et bien, par exemple, appliqué. Tout bagaille concentré à Port-au-Prince, li bail sale bail comme résultat. Jodian, si nous voulons changer le pays, nous sommes tout simplement pour appliquer la Constitution. On ne peut pas toujours parler de changement de Constitution, révision constitutionnelle, pas de problème. Mais la Constitution n'a pas empêché la route faite, n'a pas empêché l'école faite, n'a pas empêché l'agriculture faite, n'a pas empêché la santé bail dans le pays. Tout. Donc, on est à ça qui passe, c'est un groupe. Et monde au niveau Port-au-Prince qui kidnappait et tout ça qui est comme moyen matériel et moyen financier dans l'État. Ou imaginons, et véritable socle pays, c'est les collectivités territoriales. Mm-hmm. C'est l'État même qui crée pour représenter, parce que l'État central a trouvé l'impossibilité pour offrir ensemble des services à la population culturelle. Dans ce cas, il a créé collectivité territoriale qui c'est une entité étatique même, donc qui pour remplir
ça l'État a doué, l'État central a doué rempli comme rôle, offrir ensemble des services à la population. Alors ce que ils ont fini de créer la constitution, c'est un prérogative constitutionnel. Ils ont fini de créer la constitution, même fait obligation à l'État central pour transférer ensemble du moyen matériel et financier par les collectivités territoriales. Alors ce que l'État montre très réticent, ouais, face à un bail comme ça. Oui, imaginons. Sur chaque 100 gouttes qui dépensent dans le pays, il y a 80 gouttes qui dépensent pour le prince, et puis l'autre 20 gouttes les redistribuer pour respirer. Donc, ce sont inégalités graves qui doivent corriger. Tant que l'inégalité ne va pas corriger, on a fait face à même chose, on a fait face pour le prince. Alors, justement, moyens financiers, moyens matériels, territorialisés, tant que nous pas arrivé à territorialisation des moyens financiers, des moyens matériels du pays, eh bien, n'a fait face à ça, n'a fait face et pour tout point ça. Inégalité en l'île entre entité sacrée, les collectivités territoriales là, et l'État central. Mais qu'on est à l'organe de tout inégalité en au niveau social, tout exclusion sociale là, et exclusion sociale là, et puis inégalité sociale là, c'est lui qui a accouché ça. Est-ce que par un budget qui décaissé, m'a donné un budget à, et l'argent qui déposé pour collectivité territoriale? Non, jamais. Le budget national, là, c'est seule entité étatique. Alors, pour montrer inégalité flagrante là, c'est seule entité territoriale et seule entité étatique, ou t'as gardé qui plus proche population et qui en contact avec la population en permanence. Et curieusement, cette entité étatique qui représente le socle de l'État n'est pas présente dans le budget national. À l'égard de le budget national, c'est la seule entité étatique qui n'est pas présente. Et malgré toute sa phéname fait comme plaidoyer pendant le dernier moment, ça a eu, et même avant, et jusqu'à présent, l'État central, pour que j'aime répondre pour inscrire collectivité territoriale, la bon limité à travers le budget national qui est alloué à collectivité territoriale. Donc on est en même garde les fonds de gestion et les fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales qui étaient fondés, créés en 1996 et qui ont loi tout qui créait des fonds, des sources pour alimenter et font ça les l'État central à travers le ministère de l'Intérieur veut nous former de cagotelle qui fait que collectivité toujours crase collectivité dysfonctionnelle. Côté vice-président Fédamnan, fait qu'on est malgré gain en pile l'argent qui prend sous divers secteurs pour aider collectivité territoriale, ça va empêcher ministère l'Intérieur d'ouer collectivité 28 mois l'argent, alors que toujours d'après vice-président Fédamnan, Dinol Antino, gain en pile l'argent qui prend sous divers secteurs dans le pays, tant que la douane, tant que ticket, l'argent sous ticket avion pour être capable d'aider en pile secteur dans le pays, mais ça pas arrivé fait collectivité territoriale toujours dans gros difficultés, même pour ramasser Fatra dans la commune. Nous faut encore nous inviter au côté des Noël Antenor. Dernier moment, ça, c'est la seule période côté que l'État, le ministère de l'Intérieur, arrive dans les collectivités, puisse passer 28 mois. Ouais, alors ce qu'ils font ça à longueur de la journée, de ramasser comme. Sous après travail dans l'État, ou après, on continue à marquer FGD, FDGCT, FDGCT. Ça veut dire que tout le monde qui travaille dans l'État, il prend comme sur pour enflouer font ça. Avion, il sous ticket d'avion, il prend comme sous cigarette, son pain, bagaille, il prend comme douane, etc. Alors c'est comme ça rentre chaque jour. Nous comprenons le pays en récession économique. Donc c'était que l'autre monde qui a utilisé, nous avons utilisé en lieu et place de récession économique. Nous connaissons une situation économique réellement difficile, mais ça peut empêcher que faut rentrer comme on est capable de 3-4-5 mois, là tout le monde a compris. Mais l'opéral doit environ 3 ans, donc on sentit que Gagot qui fait une mauvaise voie à l'État, qui rend et mairie au même dysfonctionnel, ou bien manquer même autorité comme si pour et obliger un gardien, obliger un monde qui a ramassé Fatra dans l'arrière pour établir, pour exercer autorité sur lui. Parce qu'on a presque 3 ans, on doit. Sorti là, il posait un véritable problème en dans communion dans ce qui concerne ramasser Fatra et faire l'autre activité encore. Carrément, ça c'est on va dire le global. Le global, il n'y a pas besoin de petites communes qui pire, par exemple les communes périphériques. Si même
centre ville à travers CFPB, grand centre urbain, à travers CFPB. Merci pour écouter avec fidélité. On a continué avec l'information. Monsieur Padon, nous allons aller dans le pays l'étranger pour l'actualité internationale. À côté, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan, de Chita Palé, jeudi, dans la ville Elviv, dans l'ouest pays Ukraine, avec le président Volodymyr Zelensky. Dans le cadre de la discussion, d'après l'information, on parle plus de Chita sous exportation céréale ukrainienne. Façon pour l'Ukraine, comment elle doit exporter, voyer aller vendre dans l'autre pays, surtout en Afrique. Bateau céréales liés à sous situation centrale nucléaire Zaporijja qui en bas contrôle la Russie, mais jusqu'à présent qui en bas gros bombardement qui a subi gros frappe. Organisation Nations Unies a rappelé dans le jour passé a été voyé 23 000 tonnes de blé pays Ukraine qui a quitté Ukraine tout pour aller dans le continent africain. Dans le pays Algérie, gros difé éclaté dans la forêt, côté a fait un pile dégâts d'après information yo. Même j'en sais fait un pile côté dans le continent africain, y a gros difé ça yo, qui prend dans le pays Algérie, dans un paquet de forêt. La cause pour petit 20 monde perdu la vie yo, avec plusieurs dizaines victimes dans 14 départements en Algérie. D'après information, il y a plusieurs centaines de familles qui obligées courir quitter Kayo à cause gros difé ça yo, qui passe suspendre fait dégâts dans 14 départements dans le pays Algérie. Jean nous dit là. Pour nous finir, lundi 15 d'août qui s'est passé là, force dernier soldat français yo t'est quitté territoire pays malien pour te retourner la caillou à bon hélicoptère français dans cadre opération Barkhane. Information qui sorti dans pays Mali fait qu'on est autorité malienne yo accusé pays la France dans l'état yo voyé par Conseil sécurité des Nations Unies comme quoi la France a violé droit grand monde pays Mali et même tapoté soutien par groupe islamique djihadiste. Dans ce sens, autorité malienne, yo jeune cap dirigé pays Mali a mandé pour Conseil sécurité des Nations Unies faire une réunion en urgence sous dossier ça, une façon pour apporter plus éclaircissement sous pays la France sur accusé comme quoi qui t'a violé droit grand monde pays Mali. C'est là nous fermer page internationale. La rappel titre dans quelques secondes. Quelques points ont été développés dans l'édition journal là pour matin, en pile voix continue à pleuver pour capable dénoncer le comportement organisation de l'État américain, parti fédéraliste qui s'est membre bloc démocratique VGT, appelle secrétaire général organisation l'État américain Luis Almagro concernant retour casse bleu dans pays d'Haïti. Président parti fédéraliste Jean-Verlin Rousseline Thomas dénoncé implication communauté internationale dans situation malouk pays d'Haïti a traversé. Diverses organisations qui font partie PEN et qui ont signé à Comontana, tant qu'au Forum Organisation Syndicale Populaire, Esclaves Révoltés, PEN Modifié, Force Grandeur, pour ne citer ça seulement, dans le cadre d'une rencontre qui a été gagnée dans le jour passé, surtout mardi, qui s'est passé là, gagné divers dirigeants dans l'organisation, c'est là, eux-mêmes, ils ont été campés officiellement, journée mardi 16 d'août, un organe mobilisation qui a pour objectif activé dans tous 10 départements pays d'Haïti. Et dans l'idée pour exiger une autre gouvernance, un gouvernement provisoire qui gagne deux têtes là-dedans, un président et un premier ministre. Yves-André Joseph, qui est membre organe mobilisation qui mettait campé annoncé un méga sit-in pour vendredi 19 d'août, qui vient là devant caille officiel PM de facto Ariel Henry, dans l'idée pour demander pouvoir en place là pour le capable bail pays, un exécutif qui gagne deux têtes. Plus passé 300 monde perdu la vie, 22 autres blessés, environ 52 femmes actives victimes, viol collectif d'après réseau national Cap Défendre Droits Monde RNDDH dans cadre d'un rapport publié mardi 16 d'août 2022 dans cadre gros conflit qui était metté face pour face à groupe gang G9 en famille et alliés moyennement et tout à GPEP qui était éclaté sorti 7 pour arriver 17 juillet qui saute passé là. Qualité à pile loin là
caille dans pays Mali autorité malienne dans une lettre yo adressé par Conseil sécurité des Nations Unies a mandé une réunion en urgence sous dossier pays la France comme quoi qui t'a violé droit grand moun yo faut que ton dit dernier force soldats français yo quitté pays Mali lundi qui saute passé là et puis le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres président turc la Recep Tayyip Erdogan doit chita parler jodi à dans ville elle vive dans l'ouest pays Ukraine avec président ukrainien Moshe Volodymyr Zelensky exportation céréales centrale nucléaire Zaporijia pour le même temps discussion yo, d'après information yo.